Yo, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'UTV de Cam. Aujourd'hui, on reçoit une amie à moi, je l'adore, elle est humoriste talentueuse, elle est actrice talentueuse, elle est réalisatrice talentueuse. Je vous présente Melha Bedia. Coucou. Putain. Ça va? On s'est fait des accolades, oh là là. Elle est fausse cette accolade. Ouais, non, je la sens fausse. Elle est pas fausse parce qu'on n'était pas naturel à ce moment-là. Voilà, ça vous va? Moi j'ai fermé les yeux, je suis en intensité. Ah ouais? Ah ouais. Ah t'étais, t'étais vraiment d'amour. Ouais, c'est intense, ouais. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Je suis contente de t'avoir. Attends, bien, on se fait comme les connasses. Les blogueuses, hein. Ouais. Alors aujourd'hui on va tester une nouvelle crème. Hein. Non, je suis très contente de t'avoir. Comment tu vas? T'aimes trop, tu fais ça sur les gens. J'adore tout ça, ça sur les gens. Elle fait et elle jette. Elle jette, c'est bien. Chez les Incas, c'est une forme c'est de une déclaration, non? C'est la farandole de l'amour, de miasme. Ouais, les Incas, mais ils sont malades. Les Incas. Les Incas. T'as perdu beaucoup de poids, moins 30 kilos. Ouais, j'ai perdu 30 kilos. Mais tu te sens bien, enfin, ou t'as voulu vraiment cette... Non, je suis bien, le seul truc qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que je vais basculer de l'autre côté, du côté obscur des meufs... Trop comme à... Mais non, mais tu sais que dans ma tête, je suis anorexique, là, ça y est. Tu sais que dans ma tête, je suis mince. Bah, alors que, grâce à Dieu, il y a encore de quoi... T'es normal. Et tu veux encore... Non, je veux plus, je suis en train de voir si je peux grossir. Je te jure, c'est n'importe quoi. Non, parce que t'es en angoisse, mais en même temps, 30 kilos, c'est énorme. C'est beaucoup, 30 kilos. Ouais, donc là, reste comme ça. C'est beaucoup grâce à Hakim et grâce au pole dance. Grâce au pole dance. Grâce à un sport de... De combat. C'est pole dance, c'est un sport, j'irais même un art martial. Un sport familial. Un sport familial, tout à fait. Bon, pour ceux qui connaissent pas Melha, bon, ce qui est quand même pour moi impossible, c'est... Melha, c'est ça. C'est faire le chasse-neige. C'est fait les films, ça c'était... Non, non. Inch'Allah Airlines, notre température sera de 35 degrés à notre arrivée à Pattaya. Toi, tu fais un drôle. Voilà, j'ai cané. Oh là là, non, excuse-moi, je peux prendre la tierce. Ouh. Voilà. Là, c'est bon. J'ai pas chanté. Oui, mais c'est pas logique. On peut pas avoir peur de nous, vu qu'on se connaît. Pas te en général, on déteste le regarder. Mais tu vois, moi, je dirais plus un truc du style j'ai peur de vous dans ce cas. Mais vous êtes hilarant. C'était juste pour être avec Foretti, je m'en foutais de si c'était ouais, c'est ça. C'était tes veuches? T'avais fait un brushing? Non, pas du tout, c'était une perruque. Une perruque avec une petite frange. Ouais, je crois que j'ai envie de mettre la frange. Dès que je maigris, dès que je deviens une meuf bonne. Donc tu veux encore maigrir donc? Non mais il faut muscler tout ça parce que là je suis la vérité. Hakim ABM, la source. Hakim la source, hop hop hop. Ton spectacle s'appelle Fat and Furious. C'est un jeu de mots. Ouais c'est un jeu de mots. Mais t'es pas fat. Je suis en train de maigrir. Bah comment tu appelais? Je sais pas, Slim and Furious. Oui tu peux. Slim and Calmous. Slim and Calmous. Parle-moi un peu de ton spectacle. Eh bah écoute, il est sympa. C'est pas le meilleur spectacle de Paris, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Mais tu n'y qu'une heure. T'es là, t'es installé, il y a le chauffage s'il fait froid, il y a la clim s'il fait trop chaud. C'est un moment où tu passes une heure. Ah puis il y a des moments sympas que tu fais pendant ton spectacle, t'aimes bien arrêter le son. Bah j'ai certains atouts qui me permettent aujourd'hui, il faut que je les utilise. Bien c'est des atouts qui sont au niveau de la poitrine. Qui bien font sûr. Que si j'appuie deux fois, je te sors un churros. Si j'appuie en même temps vers le haut, j'arrête la musique. Si je la baisse, c'est la piste suivante. Voilà, c'est un peu une enceinte Bose. Elle t'est venue. D'où l'envie de monter sur scène et de faire de la scène et... Ah, moi j'ai un grand frère qui s'appelle Ramzi. Zidane. Et du coup, non, qui s'appelle Ramzi, Eric Ramzi. Tu sais que t'aurais voulu être complètement avec Zidane. Ah ouais, d'être la sœur de Ramzi, c'est bien. Et la sœur de Zidane, sa mère. Non mais vraiment, qui c'est vraiment Ramzi, je vais pas te mentir. Bah, je le voyais au loin et puis moi dans mon salon, c'est ouf, mais j'avais Jamel, Ramzi, Eric, donc j'étais aux premières loges et c'était trop cool, tu vois. Et c'est ce qui m'a donné envie et je me suis dit, oh là là, si ces gens-là, ils sont tous les dimanches chez moi à manger du couscous. Que peut-être en vrai il y a un truc. Il y a un délire. Peut-être il y a une porte battante et je vais faire as et peut-être je vais tenir la porte et je vais rentrer. Tu vois, en tout cas j'avais envie mais j'assumais pas trop au début. Ouais, tu t'es dit, tu étais fan d'eux. En plus c'est ton frère donc c'est-à-dire que tu l'admires. En plus t'es fan. Il m'a vraiment changé ma vie de manière financière. Ramzi, il faut pas qu'on se mente. On habitait à Gennevilliers dans une cité HLM, chauffage au sol. Il a fait as, t'as ton Elle a joué immobilier aussi. Oui, voilà, loi Carrez. Loi Carrez, je suis sur le coup. Mais non, mais en vrai, du coup, vraiment, il nous a fait déménager, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses, il y a plein de trucs que je connaissais pas, c'est beaucoup grâce à Ramzi. Nous, on n'était pas, là-dedans, quoi, dans ce métier, ouais, ce milieu, on n'y connaissait rien. En ce moment, t'es en train de faire ton film? Ah ouais, il est en fin de montage. Il est en fin de montage? Ouais. On peut en parler? Ouais, grave. Ça parle de quoi? Ça s'appelle Forte. C'est en gros moi qui galère un peu avec les cums, enfin, et tout ça, avec ma féminité et tout. Et un jour, je trouve un extrême pour me féminiser et je décide de me lancer dans le pole dance pour avoir des mecs et trouver ma féminité. Ok. Dedans, j'ai une meilleure amie qui est jouée par Alison Wheeler qui est aussi perdue que moi. Ok. Un meilleur pote qui sait pas trop s'il est trop à l'écoute, bah, c'est qu'il est gay, mais enfin, en même temps, il sait pas s'il aime les femmes. Il sait plus. Il sait plus. Et du coup, c'est un peu une chronique de trois personnes de 25 piges. Résoudre. Entre 20 et 30 piges, moi, je sais pas toi. Mais on nous a jamais appris à comment il fallait se comporter pour être une femme. Ouais. Il y avait pas un petit fascicule en disant alors pour être une femme, tampon, tu mets l'applicateur, ensuite tu ouais, sors, bien sûr, tu minaudes,
Ouais. On n'a jamais rien dit, moi. Ouais, bien sûr. Et c'est pas parce que je suis rebeu, c'est dans toutes les familles qu'il y a cette forme de pudeur où ça se donne pas rendez-vous dans le living room en disant « Alors, ma chérie, ce soir, tu as rendez-vous avec Bertrand. » Qui est Bertrand ? Non, tu vois, ouais, c'est bien il n'y a sûr, pas ça. Donc, entre 20 et 30 piges, tu galères, tout le monde. Ouais, ouais. Et logé à la même enseigne. Et du coup, c'est trop cool et c'est une comédie, tu vois. Et, un peu triste ? Un peu, ouais, c'est plus touchant là. Ok. C'est bien ou touchant. Qu'on gollerie. Bah, tu gollerie déjà parce que ma prof de pole dance, c'est Valérie Lemercier. C'est mon mentor avec un passif lourd et très chelou. Ça va être énorme. Et après, ouais, il y a plein de trucs cool. Il y a Jonathan Cohen, qui est le prof de sport. Ah, là, génial. Je tombe un peu. Ah, bon, ouais. Ça galoche il y a une galoche. Il y a une galoche Ouais. Chouette. Il y a une galoche. Et qu'est-ce que ça t'a fait, coquine? Des petits papillons. Alors, l'intestin grêle, c'est bien roulé. Oh non, ça, putain. Bah moi, dès que je galoche. Eh bah parfait, maintenant on va passer au dos de l'invité. Tu veux le dire avec ouais. moi? Ouais, c'est quoi? Le dos de l'invité. Le dos de l'invité, c'est quoi? C'est-à-dire que soit tu me racontes... Mauvaise. J'allais faire des trucs qualifiés là avant. Ouh. Pas belle. Non. Ah, comme le roman des bois, classe, pas classe. Ah, c'était chambé. J'ai envie de faire des trucs. Ouais, je sais, je te sens là, t'es bouillante. Faire des bêtises. Dos de l'invité, c'est quoi? C'est soit tu me racontes un dos sur toi, t'es arrivé où tu t'es fiché à, soit avec un mec, soit dans le métier, etc. Ouais, ouais. Soit, donc là, t'as peut-être, soit quelqu'un du métier connu que tu balances un. Je vais tellement balancer quelqu'un. Ouais, t'as envie? Bah, je suis une merde, moi. Ah ouais, ouais. Non, non, je vais pas. Non, tu vois. J'ai des doses sur trop de gens. J'ai un dos sur Watt, frère. Ah ouais? Bah. Ah ouais, non, oui, bah non, tu peux pas. Non, je rigole, mais pas ça. Oui, bah ça, c'est déjà mais un dos. Mais non, mais ça, c'est pas un dos, bon, c'est rien. Un dos, ça, c'est une boîte à gants, ça. Oui, mais quand même, c'est un mini-dos. Ne jamais, j'ai des vrais dos sur toi. Ah bon? Non, je rigole, c'était pour moi, quand même. Ton dos, vas-y. J'ai un dos. Vas-y. Pour de vrai. Hein. Pour de vrai. Que personne sait. Que des ouais, proches pas, à moi. Ouais, t'es pas les gens qui nous regardent. Il y avait Slimane, et à l'époque, il était très gros. Ouais. Enfin, il était très gros. Ouais, il était plus gros. Il était comme moi, quoi. Enfin, on était deux bons vivants. Ouais, il était enfant. Et ben, j'étais très amoureuse de lui. Attends, et je me rappelle. Bah, il est très fois, beau. Il est magnifique. Ouais. Non, mais sauf qu'à l'époque. Slimane, si tu l'entends. Slimane, frère, j'ai été là, j'ai payé la crêpe quand il fallait payer la crêpe. Hein. Quand toi, tu rentrais loin, moi, je rentrais loin. Non, mais en vrai, j'étais amoureuse de lui et je me suis fait tout un délire autour de lui. Mais genre, j'étais amoureuse. Mais genre, il mettait des bretelles et tout, mais on était jeunes. Mais oui, mais je me souviens très bien de cette période. Et voilà, j'étais amoureuse de Slimane, c'est un vrai dos. Vraiment amoureuse de Slimane. Ouais, amoureuse. Oh, viens, on l'appelle, je vois s'il me répond. Vas-y, dis-lui. On essaye ? Non, je vais lui dire, je te jure, viens, on l'appelle. Une fois, on avait été mangé, je me rappelle, dans le 17ème, il m'avait rejoint et tout. On était sortis, on avait fait un date, genre. Et t'étais trop contente. Je sais pas que j'étais contente, j'avais mis un legging, des bottes Isabelle Marant dans ma tête, j'étais si chum. Une cowgirl, j'étais habillée comme une cowgirl. Attends, s'il répond sur ma vie, c'est... j'espère qu'il va répondre. T'es amoureuse. Là, ça m'est passé. Oh, la messagerie est toute pourrie. Slimane, j'ai quelqu'un à côté de moi, je suis en train de faire mon ITV. Tu peux nous rappeler, c'est cool d'ailleurs. Je suis avec Melha Bedia et elle a quelque chose à te dire. Slimane, j'espère que tu vas bien. Je voulais te dire que j'ai avoué et j'ai dit à tout le monde que j'étais amoureuse de toi à l'époque où on traînait ensemble et qu'on avait fait une date dans un restaurant qui s'appelait Au Resto, Porte d'Éterne, en terrasse, et qu'on avait pris des nems au Nutella et qu'à l'époque on mangeait bien. On avait un sacré coup de fourchette, toi et moi. Et du coup, voilà, j'ai avoué que j'étais amoureuse de toi et j'aimerais savoir si c'était réciproque maintenant. Merci. Voilà, donc rappelle-nous pour savoir. Bisous, frérot. Imagine, c'était réciproque à l'époque. Et imagine, il commence à te dire, viens, on se marie et tout. Tu serais comment là? Ah, moi, il me faut un chanteur. J'adore que quelqu'un dans mon entourage le fasse des vibes. Le vide là. Et là, il commence à chanter. J'ai envie. Maintenant, on va passer aux questions interdites. Interdites. Ok, les questions interdites, c'est quoi? Je vais te poser plusieurs questions. Je vais te poser trois questions. Ça va s'appeler boîte ou réponse. Ok. Si tu peux pas répondre, tu dois choisir une boîte, tu mets ta main dans cette boîte et tu dois deviner ce qu'il y a dedans. D'accord. Ok. Si tu trouves ce qu'il y a dedans. Du coup, tu mets ta main dans cette boîte, si tu trouves ce qu'il y a. C'est oui, ça mérite que j'ai péri. Ou pas, ouais. Si tu trouves, faut trouver, hein. Si tu trouves, tu gagnes. Si tu gagnes, je perds. Si je perds, tu me mets une perruque. D'accord. Ah, d'accord. Et si jamais c'est tu un perds. Jeu en 8 étapes. Perruque. Non, c'est vite fait. Et il y a des serpents. Non, serpent, pas dans un bar. Plus petit. Des insectes. Tu sais pas comment ça commence. Voilà, donc si tu trouves pas, c'est pas grave. Ça part en perruque, moustache et tout. Voilà, voilà. Ok perruque, ok, première question. C'est dur d'être la sœur de quelqu'un de connu? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que... Non, c'est la même que... Carole. Ouais, c'est la même carole. Non, en fait, ce qui est relou, dans mon cas particulier, c'est super d'être la sœur de Ramzy à partir du moment où t'es pas dans ce métier. Ouais. C'était super dans la vie de tous les jours, dans un quotidien normal de scolaire, tu vois. Et là, maintenant, ce qui est relou, c'est que tout le monde pense que c'est grâce à lui, alors qu'il m'a fait la misère, moi, dans mon cave, vraiment. Ouais. On se parlait plus pendant 2 ans quand je lui ai dit que je vais aller au Paname jouer dans une cave, tu vois. Ouais. Donc, il m'a fait la misère. 1, il m'a pas aidé. 2, il m'a mis des bâtons dans les roues.
Et trois, même les virements, ils m'en faisaient plus. Donc, Ouais, mais en même temps, ça t'a forgé. Ce qui t'a permis de... ça m'a forgé, mais en moi, fait... je voulais pas m'en servir. Après, forcément, si t'as des gens en face qui disent c'est la sœur d'eux, donc ils vont mieux s'occuper de toi ou mieux. Tu les vois venir, moi, depuis que j'ai 8 ans, mon frère, il est un peu connu. Du coup, à l'école, je voyais quand on me donnait des vignettes Panini parce que j'étais la sœur de Ramzy, tu vois. Mais c'était stylé, les vignettes Panini. Moi, j'ai gratté de ouf. Pas mentir. Choisis-moi une perruque parce que j'ai perdu. D'accord, tiens. Merci. Hein. Ah là là, quel régal. Et tu peux me chanter une chanson? Non. Imagine Piaf, mais déchiré. Rien. Piaf sous crack. Piaf à Ibiza. Non, je ne regrette rien. T'es pas. Mais ça, ce serait trop marrant. Ta plus mauvaise rencontre dans ce milieu. T'es pas obligé de répondre, hein. Il y a la boîte. Je suis tellement sincère et honnête que je te cherchais. Ouais, mais fais gaffe. On sait, mais on se sait. On fait pas ça, on va passer en boîte. Non, on va passer en boîte, mais il y a quand même des gens malveillants. Ah bah il y en a beaucoup hein. Ouais, il y a grave. Cache. Laisse-toi faire. C'est drôle de le mettre sur des lunettes. Mais qu'est-ce que j'allais dire? T'enlèves pas les lunettes? C'est trop drôle, on dirait. Ok, c'est mon première boîte. Je regarde. Allez, voilà. C'est bon, tu vois rien? Ah. Mais non, ça va. Elle met pas des insectes hein. Mais non, il y a pas d'insectes. Elle pas des rats, des souris hein. Non, il y a pas, je te jure, il y a pas. Dis Oula. Oula. Ah bah dis donc, je suis rassuré. Avec ce Oula d'ailleurs. Ah, allez, mets ta main. Ça sent pas plein d'épices. Non mais attends, c'est quoi? T'es une zoulette ou t'es pas une zoulette? Franchement, je suis une meuf de pavillon moi, laissez-moi tranquille. C'est quoi? Mets ta main. C'est un œuf. Vas-y. C'est quoi pour toi? C'est une couille. Putain, tout le monde dit ça. Mais non, c'est pas une couille. C'est une noix de coco. Non. C'est hilarant. C'est l'île. C'est du kiwi? Oui. Mais c'est un kiwi bien sec, hein. Un kiwi bien aride. Ouais. Mais ouais, t'en es bien sortie. Je suis une flippette. Mais t'es trop mignonne. C'était archi bien. Hé, hey, j'adore les boîtes, on peut en faire. Tu vois, bah voilà, tu veux faire les boîtes. Ah mais non, mais c'est moi qui ai perdu. Oh, je suis deg. Bah, choisis-moi une moustache. Dernière question. L'humoriste qui te fait le moins rire. La boîte à... La boîte à assis. Mets ta main dedans. Bah vas-y, elle est dedans. Regarde. Bah, ouais. Non, non, tu regardes pas. Non, mais toi, je peux regarder que tu la mets là. Bah regarde, oui, regarde. Fais des trucs avec ta main. Farfouille. Farfouille. Okay. Hey, tu crois qu'on est? C'est pas toi qui décide. Vas-y. C'est moi la chef là. Vas-y. Allez, vas-y. Non. Triche pas. Oh. Ah, t'as vu, elle y va. Hein, c'est pas une balle tringue. C'est quoi? C'est un poisson. Non. Vas-y, mets plus tes mains. Si, c'est un poisson. Non, c'est pas un poisson. Bah, si c'est pas un poisson, c'est quoi depuis? C'est un câblage HDMI, c'est quoi, frère? Non, c'est autre chose. C'est un truc qui se mange. Bah oui, ça se mange. Moi, j'aime pas, mais. C'est quoi, à ton c'est avis? C'est une pieuvre. Mais c'est une pieuvre, c'est... non? C'est quoi, oui? C'est pas... Vas-y, vous. Mais c'est une pieuvre. C'est... Non, c'est un poulpe. Mais je t'ai dit, c'est un poisson, tu me dis non? Mais poulpe, c'est pas un poisson. C'est un humoriste. Mais... Déjà. Et... Enfin, humoriste. Et attends... Ah, mais... J'ai vu, j'ai entendu ça. Ça, ça ouais, c'est vraiment... Moi, j'en ai marre de ces gens. J'invite des gens, je vais finir dans la merde. Mais non, qui va te toucher? On est là. Moi et mon poulpe. Jean-Rachid, de Bourg-Tour voilà, à Jean-Rachid, t'inquiète pas. Ça, c'est du poulpe. C'est de la famille des poissons. Ça, c'est pas une viande rouge. Attends, ça. Non, oui. Ça, non, c'est charal, ça. C'est la famille des mollusques. C'est mollusque? Oui, bon, enfin, voilà. Okay, ouais, mais voilà, bah, poisson, c'est poisson. C'est un invertébré, alors. C'est un invertébré. C'est pas le tir. Bon, maintenant, on va passer à l'impro chanson. Ouais. Ça fait plaisir. J'adore. L'impro chanson. Elle chante bien. Voilà, non. J'explique l'impro chanson ce que c'est. L'impro chanson, t'as des petits mots. Tu choisis six mots, je choisis six mots. Alors, vas-y, dis tes mots. Alors, wagon, W. Moutarde, M. Épaule, avocat, limonade et abeille. Très bien. Alors moi j'ai matelas, éthylotest, voilà, raisin, rasoir, mairie, jardin. Okay. Allez, vas-y. C'est triste, hein. C'est le vague à l'âme, le spleen, la race rare. Ah, tu slabes, toi? Ouais, c'est vrai, j'étais en slab. Parce que j'ai croisé Grand Corps Malade depuis à chaque fois. Depuis, t'es à fond. Vas-y, quand tu veux. Ah, mais fais la mélo, fais la... Ah, moi, j'ai fait dans la bonne tonne. Tu veux que je commence? Ouais. Ok, mais de toute façon, on est sans prise de tête, hein. Je vais pas chanter vraiment. Non mais chante-moi bien okay. Pour hérisser mes poils. C'est ce que je vais faire. Hérisse mes poils. Bien. Hérisse mes poils. Hérisse mes poils. Tu dis ça à un mec qui veut pas de watts. Eh, comment ça bien irriter mes poils? Hérisse mes poils, après on verra. Ce soir, je vais dormir sur mon matelas. Mon matelas. Ouais. Ce soir,
J'ai pris un éthylotest parce que j'étais bourrée avant de rentrer chez moi. Ouais. Ah non mais là t'écoutes. J'aime bien les vibes. Ils m'ont servi un vieux vin rouge, un jus de raisin. Dans le Limousin. Et dans mon jardin. Allez, il me reste deux mots, mais je te laisse toi d'abord continuer. Ce matin, oui, ce matin, j'étais avec mon avocat. Je parle du métier, pas du jus, enfin du fruit ou du légume. Enfin bref, y'a un truc. Du coup, ce matin, avec mon avocat, on traverse la route, y'a une abeille et de la moutarde. Ouais, t'as tout mis. C'est cousu. Non. T'as eu du raisin? Ouais. Moi aussi. C'est pas... Mais non, j'ai pas dit raisin. Ah. J'ai dit abeille. Abeille. Attends, j'ai dit avocat. Moutarde, par contre, abeille. T'as oublié une chose. Il faut aller récupérer nos papiers à la mairie. Oh merde! Ils nous ont bien niqué nos vies. Oh merde! Tous ces salauds, tous ces bandits. Tu... Ça marchait trop bien! C'était bien, j'ai dit. Ils nous ont souillés. Allez! Nous les sans-dents. Est-ce que ce matin, tu t'es bien rasé avec ton rasoir? Fallait que je le place. Rasé avec mon rasoir? Hein. Ouais. Je sais pas, tu peux te raser avec autre chose. Non, vas-y, ok. Figure-toi. Oui. Que je me suis rasé ce matin. Ah bon? Avec un rasoir. Un dérisoire. Dérisoire. Aznavour. Provisoire. Et détends-toi. Détends-toi, toi. Je me ferais bien en ce jour de jeûne. Un verre de limonade. Ouais, Yoann. Voilà, limonade. Limonade. Ah, t'as kiffé. Bravo. Ah, c'est trop bien. T'as dit, Sean. Bien. C'était mignon. Moi, je me suis pas du tout moquée à aucun moment. Bah toi, tu te moques pas, mais bon, t'as du talent. Non, bah, ça va, j'ai la voix juste. Alors, t'as passé un bon moment? J'ai passé un super moment. On s'est régalé? On s'est régalé comme des petites cochonnes. c'est pas moi la musulmane, c'est toi. Ta connotation sexuelle. Cochonne, c'est aussi la meuf du cochon, frère. C'était super ton émission, j'ai vraiment envie d'arrêter la psychanalyse et de venir une fois par semaine. Et bah, tu viens chez moi quand tu veux. Moi, je me suis régalée, je passe un moment. Pour ceux qui connaissaient pas Melha, et bah, je peux vous dire que vous allez la suivre partout, Instagram, Facebook, Twitter. Je ne suivais pas, je suis algérienne, j'ai besoin de personne. Et allez la voir. Tu as du mal à la rentrée, t'es où? À la rentrée, suivez-moi les loulous. Elle sera au théâtre du gymnase. Écoutez, elle est très très drôle. Si ça vous a plu, vous vous abonnez à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous mettez des pouces bleus, vous likez, vous partagez, vous commentez, hâte de vous lire. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Elle a dit à deux. À deux vous lire, oui. Les commentaires. Ah, t'es vraiment. T'as vu comment t'es? Elle est mignonne. Moi, je te laisse, moi, je me casse. Ouais, c'est bon, ça va. Attends, j'ai un coup de fil. Ok. Non, c'est bien, il est bien ce canapé. T'as vu? Figure-toi. Oui. Que je me suis rasé ce matin. Ah bon? Avec un rasoir. Dérisoire. Aznavour. Provisoire.